Hey, salut tout le monde, c'est votre boy Gino et regardez Touch the Shot en Bokota TV. Hey, it's your boy Kevin. Vous êtes en train de regarder Touch the Shot on Bokota TV. Thank you guys. I see you guys looking fresh, you guys are looking drip. No fait choice. Quel artiste comédien congolais est aussi surnommé Tapis Rouge, Monsieur Bio, Nouveau-Né? Quel artiste comédien congolais est aussi surnommé Tapis Rouge, Monsieur Bio, Nouveau-Né? Ça commence par un P. Moi je te donne là. Ouais. Tu penses? Je sais pas. Attends, je dis ça comme ça. T'as dit Tapis Rouge. Tapis Rouge, Monsieur Bio, Nouveau-Né. Est-ce que celui qui... Est-ce que celui qui mange comme beaucoup le foufou là? Non mais il mange beaucoup le foufou comme ça là. Monsieur Bio. Okay, tu sais quoi, je vais dire Pouloulou. Tapis Rouge. Je sais pas. Allez, voilà. Check. Vas-y. On va dire Pouloulou. Pouloulou. Ok. Shot. Mais c'était qui, for real? Daddy Dikambala. D'ailleurs, hommage à toi, Monsieur Dikambala. La sinophobie est A. La peur des chiens. B. La peur des abeilles. Ou bien C. La peur de vomir. La sinophobie. La sinophobie. Sinophobie. Je pense pas que c'est la peur des chiens. Si c'était chien, ça aurait été canin, quelque chose du genre. Canophobie ou un truc du genre. Ok, attends. Okay. Il y a chien, il y a abeille. Tu peux pas dire abeille vomi. Sinophobie, attends, sine. On va décortiquer sine maintenant. Sine, si tu prends ça. Ça s'écrit sine avec comment? Sine avec sinophobie. 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 Ok, peur des chiens, peur des abeilles, peur de vomir. Il y a un terme vraiment pour peur de vomir. Peur de vomir, il y a tout. Yo, je pense que c'est ça. Écoute, tu sais, comme dans les affaires de médecins, toujours, comme, je sais pas. Est-ce que tu as déjà pris des médicaments, on va dire, pour. Comment ça s'appelle? TikTok, guys. Pas le temps de. Ok, je dis peur de vomir. Ouais. Tu penses? Toi, c'est quoi? Moi, je sais pas, on m'a dit que B, c'est souvent la bonne réponse. Ok, vas-y alors. B, c'était peur des abeilles. C'était quoi? La peur des chiens. Alright, cheers. Enfant Prodige, wesh. Kevin, cette question-là est pour toi. Alright. What is the inspiration or story behind Enfant Prodige? L'inspiration derrière Enfant Prodige. En fait, moi, là où j'ai grandi en tant que tel, c'est dans le sud-ouest de Montréal. J'ai côtoyé beaucoup de jeunes pour qui l'avenir était très limité. C'était des jeunes qui en empêchaient un peu de rêver en tant que tel. Donc, Enfant Prodige, j'ai un peu cherché ces jeunes-là. Et j'imagine beaucoup d'autres jeunes qui vivent la même chose. C'est vraiment une marque qui veut inspirer en tant que tel la jeunesse à rêver grand. Enfant Prodige, c'est pour dire que tout le monde est capable de devenir cet enfant prodige, de devenir grand, qui est appelé à faire quelque chose de grand. Donc c'est vraiment ça qui m'a inspiré en tant que tel, de parler avec ces personnes-là indirectement à travers la marque Enfant Prodige. Amen. What a beautiful story, puis on te souhaite beaucoup de succès avec your brand. Merci. Chancel Mbemba est pour le football, comme Anthony Joshua est pour... La boxe. Good. Kevin, cette question-là est spécifiquement pour toi. Dans le tableau périodique, quel est le signe du potassium? Potassium, c'est K. Serge, cette question-là est pour toi. Les gens ont souvent des idées préconçues par rapport au trading, plus spécifiquement Forex, que c'est une pyramide, que les gens vont jamais réussir, c'est de la F, c'est de la fraude, whatever. Donne-moi une vérité ou un fact que les gens ne savent pas à propos du concept de trading. Ben, le trading, c'est... Tu peux pas dire ça, mettons. Comme oui, ça existe, une compagnie qui rend ça comme réseau marketing, comme MLM. Je vais pas dire le nom, mais sinon, en soi, c'est aussi une carrière professionnelle que tu dois faire par toi-même. Exemple, il y a des personnes qui vont à l'école justement pour faire ça, qui prennent des années des études justement pour pouvoir travailler là. Et dans les plus grosses banques, c'est là qu'il y a des personnes qui font ça. Et même, ça, il peut travailler là, ça fait 10, 15 ans qu'ils font la même chose. Le monde pense que c'est facile, tu peux faire de l'argent rapidement, mais alors que non, c'est totalement le contraire. C'est du travail, acharnement, et que chaque marché, on va dire, dans le trading, c'est spécifique à ce marché-là. Alors, tout ce que je peux dire, ça prend vraiment beaucoup d'études et beaucoup d'éducation et beaucoup de persévérance pour pouvoir réussir dans ce domaine-là. Cette question-là est pour vous deux. La marque Gucci a été fondée où? Le pays seulement, c'est correct. Le pays seulement. OK. Italie, ouais. Good. Québec. Quel artiste montréalais a dit ce punchline? Testons ces trois mélanges. Génération bâtard, plein de G sur le foulard. La G, génération bâtard. Iso. Gino. C'est quoi une éolienne? C'est-tu l'affaire pour faire l'électricité là qui tourne là? C'est ça, non? Yes, oh, yeah. Okay. Elle a fait de me faire peur. Kevin, quel était le nom du personnage joué par Papa Wemba dans le film La vie est belle? Le nom? Le nom du personnage joué par Papa Wemba dans le film La vie est belle. Il jouait pas son propre rôle? Je pense qu'il... En plus, je connais bien, mais ça fait longtemps. Bah, Papa Wemba. Oh, c'est pas ça. J'étais sûr que c'était ça. Moi aussi. C'est Kourou. Ah, c'est vrai. Gino, quel était le numéro du jersey à Mutombo Dikembe quand il jouait pour les Denver Nuggets? Bon. Juste, non? Il a pas répondu. J'ai pas répondu. Il a pas... Non, j'ai dit 10. Oh. J'ai dit 10 ou 9. Même 10. 9, 8. 11. C'était quoi? 55. 55. Ouais. Oh. Aucun rapport. 55. Quel artiste comédien congolais était surnommé Fille de ouf? Ouf. Fille de ouf. Tu regardais pas des théâtres? J'ai pas regardé des théâtres comme ça. Mais j'irai avec celle qui me vient en tête, Scylla. Non. 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 Yo bro, tu m'as fait boire beaucoup. Yo Mutombo, bro, c'est une légende, t'as dit 50, t'as dit 10, mon cher. Je sais pas. J'allais dire 1 en plus. En plus. J'aurais jamais su. Ouais, c'est ça. Ah. Voilà, non? Ça c'est bon. Ah ouais. Donne le point. Donne le point. Ils sont jaloux de le danse. Attends. On dirait que ça arrive. Non, moi j'ai dit cette partie-là. Ah, cette partie-là spécifiquement. Ben il faisait juste. Qui a dit qu'il faisait ça dans la vidéo? Moi. Il attendait ça l'arrivée. Elle veut nous détruire, c'est bon. Ouais, c'est bon, on accepte le challenge. Ah, c'est là, il voit. Yo go. Le pire, c'est que je connais toutes ces chansons. Je te jure. Mais j'ai jamais compris. Last one. Ah non. C'est pas le. Ça danse pas là, tu vois. Non, ok. Pas là. On va avancer pour toi alors. Je vois pas dans les mariages. Je sais pas. Moi, je connais juste. Seigneur, ok. One last one. Mais Kevin, même si toi, t'as pas ça, your girlfriend is in the backstage right now. T'auras honte. Ça c'est bon. Ah, t'as vu. Oh, c'est vrai. Mais là, quand même. J'ai vu quand même. Merci pour ce show. Tout le monde à la maison veut le savoir. Are you not embarrassed? No shame in my game. Parce que vous êtes des Congolais. Écoute. 1/6. T'as mis des parties qui étaient chelou un peu, tu vois. Chacun sa force. Ouais, ouais. Chacun sa force. On peut pas être bon dans tout. But you still have to take the shot. Last one for the road. Avocata. Oh, beaucoup tard. Guys for being here. I see you guys are like I said in the beginning of the video, you guys are dressed, you guys are dripped, like who are you rapping today? CEO Enfant Prodige en Instagram, follow, sûrement ça va apparaître ici en bas comme enfantprodige.mtl. Y'all follow and www.enfantprodigemtl.com. Gang. So I want you guys to give us your IG, your social media, where we can follow you guys. Yeah, alors moi, vous pouvez me suivre sur IG. Je suis pas souvent là, mais je suis quand même là de temps en temps. C'est Gino simplement, tout simplement. Ok. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Damn Kevin. C'est là que je suis la plupart du temps le plus actif. Je commence un peu TikTok, mais bon, en tout cas, ça c'est une autre histoire à suivre. Guys, si vous pouvez aller regarder les TikTok de Kevin, c'est hilarant. Merci guys d'être venus. Merci. Salut tout le monde, c'est votre boy Gino. Et regardez Touch the Shot en Bogotati. Yo, attends, je recommence. Il faut que je rechange. On va le faire. Attends. Non, après je m'arrête avec ça.